pourquoi ils ont rajouté 150 Pokémon. Les 150 derniers servent à rien. En plus, on les connaît même pas, putain. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Oh, oh. Merci. Elle est accordée? Elle est accordée? Oui? Oh là là, vous êtes des anges. Oh. Mesdames et messieurs. C'est la dernière chanson de ce soir. En fait, là, si vous voulez, en fait, c'est un petit peu le moment où on devait faire semblant d'être triste. Donc là, vous faites oh. Alors, je vous donne des idées, je vous donne des pistes d'études. Vous faites oh, vous pouvez crier, vous arracher les cheveux, mourir d'une crise cardiaque, ou alors mieux encore, mieux, pleurer. Pleurer, c'est cool. Vous pleurez, je sais pas moi, 5 à 10 minutes, ça nous va très bien. Allez, on y retourne. On y retourne. Ouais. Oh. Pourquoi ils en ont rajouté 150? Mesdames et messieurs, c'est la dernière chanson de ce soir. C'est bien. Franchement, si vous avez un concert d'une grosse star un jour et qu'il vous dit que vous êtes un public génial, ça sera grâce à nous. Bien. Alors, allume la guitare, vas-y, go. Là, maintenant, là, c'est la dernière musique, mais elle ne vous laissera pas indifférente, car c'est une chanson d'amour. Et là, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, oh non, il va pas nous faire une chanson d'amour, mais putain, tout le monde en fait, là, c'est lourd et tout, c'est chiant. Non, c'est pas une chanson d'amour comme les autres. C'est pas une chanson d'amour entre un homme et une femme. C'est pas une chanson d'amour entre un homme et un homme. C'est pas une chanson d'amour entre une femme et une femme. C'est une chanson d'amour entre l'homme et l'animal. Alors oui, non, c'est pas n'importe quel animal, mesdames et messieurs. Ce soir, ce que nous nous proposons, c'est l'amour entre l'homme et le meilleur ami de l'homme. Le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Non, c'est pas le chien. Le cheval, c'est génial, mais c'est pas ça. La chèvre. Ah, monsieur habite dans le Larzac. Pardon, mais moi j'ai appris qu'avec les chèvres, on faisait pas du fromage. Alors, attends. Non, mais c'est un travail comme un autre. Après, je ne sais plus personne. Il y a des fois, on s'en seul comme ça dans la montagne. C'est le meilleur ami d'homme, c'est... Ah non, ne dites pas. Elle a saqué le spectacle. Voilà, il est mort. Voilà, le spectacle est détruit. Non, c'est le lapin. Voilà, enfin quelqu'un qui trouve sans aide. Merci beaucoup. Non, je déconne. C'est pas ça, c'est pas le lapin. Bon, je vous le dis, allez, j'arrête de vous faire languir. Ce n'est pas la bière. C'est le whisky coca. Non, mesdames et messieurs, le meilleur ami, c'est pas le canard en plastique. Le canard en plastique, c'est le meilleur ami de la femme. Bien, mesdames et messieurs. Bien entendu, vous le saviez peut-être déjà pour quelques-uns, le meilleur ami de l'homme, eh bien, c'est le ver solitaire. Un animal attachant, qui ne pissera pas sur vos canapés, qui ne nécessite pas de promenade particulière. Mesdames et messieurs, en plus, le ver solitaire, il vous fera mincir. Meilleur ami de la femme. C'est dit dans la pub, le ver solitaire, mon partenaire minceur. C'est pas moi qui l'ai dit. Bien, alors pour ce vers solitaire, j'ai fait un solo. J'ai fait un solo et... Jimi Hendrix, si tu m'entends, pardonne-moi. Bien, c'est inspiré de Django Reinhardt, pour ceux qui auraient compris. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est inspiré de Django Reinhardt. Si vous, ça va trop vite pour vous, vous pouvez aller voir, il y a des replays sur YouTube. Attention. Hein? Un petit peu, là, je vais vous engourdir. C'était qu'un exemple. On y va, 3, 4.